toute la création est à ses pieds. Toutes les étoiles brillent dans le ciel. Tous les animaux des champs sont calmes. Même au fond des eaux, tout est silence. Mon bien-aimé est là pour moi, mon Seigneur. S'est descendu pour moi. Tout en moi le loue, tout en moi l'adore, spécialement créé pour Jésus. Consécration à Jésus pour toujours. L'Esprit de Dieu est descendu sur moi. Mon Dieu, sa parole s'est accomplie dans ma vie. L'agneau de Dieu m'a lavé. Mon bien-aimé est là. Mon Seigneur est là pour moi. Jésus-Christ est descendu pour moi. Tout en moi le loue, tout en moi spécialement créé pour Jésus, dédié à Jésus. C'est ma consécration à Jésus pour toujours.
Merci beaucoup, Rose Sabine, donc, qui nous accompagne pour cette émission. Bonjour Rose. Bonjour Christine. Bye. Oui, ça fait longtemps. Vous restez en notre compagnie, c'était Consécration, c'est ça. Premier titre que vous avez eu à faire. Vous restez en notre compagnie. D'accord. Et puis, tout au long de cette émission, on aura donc cette très très belle voix. Merci. Justement, pour parler d'un sujet important, demain, il y aura donc la canonisation du pape Jean-Paul II, des papes Jean-Paul II et. Jean 23. Et Jean 23, voilà. Je cherchais Jean 23. Bonjour, mon père. Bonjour, Christelle. Alors, on va comprendre ce que c'est que la canonisation. Vous êtes l'abbé Elvis Guigui, responsable de la pastorale de la santé et de la lutte contre le sida. Alors, qu'est-ce qu'une canonisation, pour comprendre, hein? Disons bonjour à tous nos téléspectateurs. Une canonisation, c'est qu'il nous faut savoir, pour utiliser des termes simples, la canonisation, c'est mettre dans la liste des canons, ou sinon dans la liste des saints, c'est-à-dire que dans le canon des saints, une personne, et cela par le pape, qui le fait de manière solennelle, mais avant d'arriver à la proclamation solennelle, je veux dire, d'un chrétien, proposé à la vénération de tout l'ensemble des fidèles, il y a tout un processus, voilà. Mm. Voilà, il y a la procédure qu'on appelle un peu le procès. Mm. Il y a un procès de béatification qui se fait. La béatification, c'est toujours dans le même sens. Oui, mais mon père, avant d'aller plus loin, pour ceux qui ne sont pas vraiment au fait de tout ceci, on va aller étape par étape, étape pour bien étape, comprendre. Voilà. Quand on dit on mettra quelqu'un au rang des saints, ça veut dire quoi? Au rang des saints, ça dit que l'Église veut proposer au culte des fidèles un chrétien qui, par sa foi, ses vertus, a été un exemple de, je vais dire, un exemple à proposer aux fidèles, mais un exemple à la suite du Christ. Et donc, de ce fait-là, pour ceux qui sont encore en pèlerinage, il sera pour eux un modèle, un exemple, comme on dirait d'ailleurs, comme des béquilles, pour marcher à la suite de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on pourra le prier. On pourra le prier, c'est-à-dire que le prier, demander son intercession, voilà, demander son intercession pour qu'il puisse intervenir en notre faveur. Ah, d'accord. Voilà. Donc c'est un peu, je vais dire, la réalité de la sainteté. C'est-à-dire que, comme on dit, le culte des saints, qui est différent dans l'Église du culte des défunts, qui est la commémoration des défunts, ce qui n'a rien à voir. C'est-à-dire que le saint, on demande son intercession, mais par exemple, pour les défunts, on demandera leur intercession, mais surtout on priera pour les défunts. Donc c'est différent. Voilà, les deux éléments sont très différents. Donc, Jean-Paul II, le pape Jean-Paul II et le pape Jean 23 seront mis demain au rang des saints. Au rang des saints. Ils pourront être pris, enfin, ils pourront intercéder. Ils pourront intercéder pour, voilà, okay. Pour nous. Voilà, on peut demander leur intercession. On peut demander leur intercession. Alors, c'est quoi le procédé alors? Alors, la procédure qui est faite, c'est-à-dire d'abord, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été. Et là, on voit les images, excusez-moi, du voilà. Pape Jean-Paul II, du pape Jean-Paul II, voilà. En Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, La procédure qui est donnée, il y a certaines étapes. D'abord, on ne peut mettre au rang des saints que celui qui est décédé. Ça, c'est une première des choses. Il faut d'abord mourir. Il faut d'abord mourir, voilà. Il faut d'abord mourir pour être proposé. Et après la mort, l'Église demande aujourd'hui, selon même les réformes que Jean-Paul II a apportées dans la procédure, il faut minimum 5 ans. Cinq ans après la mort, avant d'engager la procédure. Okay. Voilà, avant d'engager la procédure. Et qui engage la procédure? Un tout baptisé peut demander la procédure. Mm-hmm. Un groupe de chrétiens peut vous demander. Mais généralement, quand cela demande, il faut aussi l'avoir, la confirmation de l'évêque des lieux. C'est-à-dire que là où la personne est décédée, donc l'évêque des lieux demandera la. Par exemple, pour Jean-Paul II, le vicaire de Rome, le cardinal Ruini, juste après sa mort, a demandé, au nom de tous les fidèles, a demandé que la procédure soit ouverte.
Alors, pour ceux qui viennent à peine de nous prendre en marche, nous parlons donc de la canonisation, ce sera demain, par l'Église catholique de Jean-Paul, du pape Jean-Paul, des papes Jean-Paul II et Jean 23. Et à l'image, vous avez donc la visite que le pape Jean-Paul II avait effectuée en Côte d'Ivoire. Et là, vous avez les images et ça fait du bien de revoir ces belles images-là. Surtout que quand on... Bon, tout à l'heure, j'ai vu le cardinal... Yago. Donc, il faut dire que c'était un moment émouvant pour la Côte d'Ivoire. Très fort. Voilà, oui. Très fort pour la Côte d'Ivoire. Alors, Jean-Paul II, je veux dire des deux papes qui seront canonisés demain. Des deux papes, nous connaissons plus ou moins. Plus Jean-Paul II. Jean-Paul II que Jean 23. Voilà. Que Jean 23. Parce que Jean 23 a été pape à partir de, je veux dire, de 58. De 1958 à 63. Donc bon, beaucoup ne évidemment. Beaucoup ne le connaissent pas. Et Jean-Paul II, c'est de 78 à 2005. Et il est venu en Côte d'Ivoire. Il est venu en Côte d'Ivoire. Plus d'une fois. Voilà, trois fois. Voilà. Donc déjà, je vais dire, il est proche du peuple. Exactement. Voilà, de notre peuple. On le connaît plus ou moins. On le connaît plus ou moins. Alors, mais ce qu'il faut retenir, d'abord peut-être pour Jean 23, de son nom, c'est Angelo Rocalli. Lui, il est italien. Il est italien de famille paysanne et qui est devenu par la suite prêtre, ainsi de suite. Bon, pape. Et au moment de son élection, il faut savoir qu'il allait au... Ça, c'est Jean 23. Ça, c'est Jean 23. Il faut savoir que quand il partait au consistoire, bon, il était vieux. C'est quoi le consistoire? Le consistoire, d'abord, le consistoire, c'est la réunion du pape entouré de ses conseillers qui sont les cardinaux. Okay. Là, c'est le consistoire. Maintenant, je voulais plutôt parler du conclave. C'est-à-dire que le conclave, c'est la réunion où on fait l'élection du pape. Du pape, oui. Donc, quand il rentrait au conclave, bon, c'est sans espérance. Pour lui, il se dit qu'il est assez vieux. L'Église, on ne peut pas les choisir tellement qu'il y avait tellement de défis à faire en son temps. Donc, on ne pouvait pas les choisir. Bon, il allait au conclave tranquillement. Mais avec les élections qui se font, comme on dit, au 10e scrutin, il y a quelqu'un qui a proposé son nom. Et au 11e scrutin, il a été élu. Ouais. Il a été élu contre toute entente. Parce que ceux qui étaient là, ils se sont dit, bon, on a besoin, comme on ne s'entend pas véritablement, on a besoin d'un pape de transition, puisqu'il avait 77 ans et qu'il était fortement diabétique, comme on le dit. Ah. Voilà. Donc on s'est dit que, bon, sûrement qu'il ne va pas vraiment très durer. Bref. Et il a fait des grandes réformes dans l'Église. Il a fait des grandes réformes. Par exemple, aujourd'hui, quand nous voyons la messe, la célébration de la messe, pour nous c'est naturel, mais avant la messe se célébrait dos au peuple. Ça veut dire que le prêtre donne dos au peuple. Et il parle à Dieu. Voilà, il parle à Dieu. Il parle à Dieu et bon, avec ses enfants de cœur à côté, bon, bref. Alors il a dit, mais Adam, pourquoi ne pas faire face au peuple? Donc dans la réforme du Concile Vatican II qu'il a initié, il a lancé la réforme du Concile Vatican II en son 2 et puis en son 3 il est mort. Remplacé par Paul VI par la suite. Bref, alors il a fait des grandes réformes. Ce qu'on peut aussi retenir de lui, c'est qu'il a fait un rapprochement des peuples. C'était vraiment un homme de paix. On l'appelait aussi le pape du peuple, parce qu'il était proche du peuple. Voilà, c'est quelqu'un qui était plus jovial. Et il est temps pour nous d'être proche de la réclame. Voilà. Il est 7 heures, on y va pour la pub. Chez Léaca, on est tous d'accord pour utiliser Sivoderm, car son efficacité n'est plus à prouver. Nos problèmes sont certes différents, mais pour chacun de nous, Sivoderm apporte une réponse adaptée pour le bien-être de notre peau. Sivoderm. Sivoderm, parce que ma peau mérite le meilleur. Le
pagne tissé, symbole distinctif de la tradition à l'honneur de l'élégance de la femme. Oulipad présente Yordé, deuxième édition, du 2 au 3 mai 2014 à l'espace lagunaire Abidjan Plateau. Deux jours d'exposition-vente, d'animation culturelle. En bouquet, un superbe défilé de mode. Info line 21 36 63 39 47 08 74 73. Yordé 2014, du 2 au 3 mai 2014. Offrez-vous les meilleurs de la mode made in Côte d'Ivoire. Sous le haut patronage de M. Mamadi Diané, conseiller spécial du président de la République, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs et la Fédération Ivoirienne d'Athlétisme, en partenariat avec le district d'Abidjan, organisent le samedi 26 avril à 13h au stade Félix Houphouët-Boigny la 21e édition du meeting international Gabriel Tiako. Venez admirer Muriel Aouré pour la première fois sur la piste du stade Félix Houphouët-Boigny. Entrée gratuite. Bisous. Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel affairage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite ville au 98-102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, V-I-2-L-E, ça ne ment pas. Ville au 98-102, 150 premiers SMS. Ils ont fait confiance au jeu RTI Bidjin. Recevons nos gagnants. Participez au jeu sur RTI. On a tous gagné des micro-ondes. Vous voyez, on a eu 100 000 francs aujourd'hui. Nous avons tous gagné des cuisinières. J'ai gagné la somme de 250 000 francs. J'ai gagné 6 mois de salaire grâce au jeu Big Deal. Soit 500 000 par mois. Le jeu Cash à Gogo, c'est pour bientôt. Et il y a la somme de 3 millions à gagner. Fini pour le jeu Big Deal. Bientôt le jeu Cash à Gogo où il y a encore 3 millions de francs à gagner. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. Envoie maintenant Cash, C-A-S-H, au 98 070 et tente ta chance. Cash au 98 070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Nous parlons avec l'abbé Elvis Guigui, responsable de la pastorale de la santé et de la lutte contre le sida, de la canonisation de Jean-Paul II demain et de Jean 23, pape. Et avec lui, nous essayons de comprendre le procédé. D'abord, il faut que cela soit demandé par n'importe qui, que ce soit un fidèle ou un groupe de personnes. Ensuite, il y a tout un procédé qui se met en place pour que ces personnes communes soient placées au rang de saints qui, donc, à ce moment-là, intercéderont pour les fidèles. Ils pourront être priés. Voilà, ils pourront être priés. On peut prier, on peut demander leur intercession. Donc, ce qui est important, il y a d'abord, c'est vrai, la vénération et l'intercession, mais c'est surtout présenter... Il veut dire cette figure-là comme un exemple. Il faut d'abord être un exemple. Voilà, un exemple, parce que dans le procès, il y a certains éléments qui sont comme des conditions. D'abord, l'œuvre de la personne, sa foi, et puis des miracles qui lui sont dédiés. Est-ce qu'il y a des miracles pour... On parle d'une dame guérie de la maladie de Parkinson. Une religieuse. Une religieuse. Oui. Sœur Marie. Pour Jean-Paul II. Pour Jean-Paul II, Simon-Pierre, du moins, qui est une religieuse. Et ça, c'était pour sa béatification. Mais après sa béatification, il y a une femme de Costa Rica qui avait une lésion au cerveau. Les médecins ne pouvaient plus rien. Et elle et son mari ont intercédé. Et je crois que c'était à la veille de la béatification, le 1er mai 2011, qu'elles ont commencé à demander l'intercession de Jean-Paul II et les juges qui ont suivi. Elle allait voir l'hôpital, bon, il n'y avait plus de traces. Elle a été guérie. Donc elle en donne le témoignage. Alors donc, il y a bien d'autres témoignages qui ont été donnés, qui sont toujours recueillis. Et donc, c'est important de savoir que la personne vraiment est vénérable, est un modèle et que la personne peut intercéder. Ce sont ces deux éléments qui sont très importants pour le choix d'une personne. Pour la canonisation. Mais en même temps, par exemple, pour Jean 23, le pape François, il a fait, je veux dire, il est passé outre parce qu'on n'a pas encore
des preuves, je veux dire des miracles. Des miracles. Voilà, pour Jean 23. Mais il s'appuyait sur la foi et les œuvres de l'homme. Voilà. Mm-hmm. Pour pouvoir le mettre au rang. Et dans le procès, ou non, dans la procédure, il y a d'abord, comme on le dit, c'est un procès. C'est-à-dire, souvent, c'est comme un procès criminel, où il y a un avocat qui défend la cause. Il y en a qui sont contre. Donc, comme généralement, on l'appelle l'avocat du diable. Et lui, il va démonter tout ce que vous allez avoir comme preuve. Et puis après, bon, les cardinaux qui sont à la congrégation pour les causes des saints vont essayer de statuer comme un jury. Et après, vont remettre le décret au pape. Et le pape, au cours d'un consistoire, c'est-à-dire qu'au cours d'une réunion avec ses cardinaux, va annoncer que celui-là, il sera béatifié, celui-là, il sera canonisé. Et au cours d'une célébration comme celle de demain, il annonce officiellement à tout le peuple. Au monde entier. Est-ce qu'il y a au cours de l'histoire d'autres papes qui sont passés par là? Oui, beaucoup de papes. D'abord, pas tous. Okay. Voilà, pas tous, mais il y a eu beaucoup de papes qui ont été canonisés, qui sont au rang des... Tout près de nous, on connaît plus ou moins, on parle de Pie IX, voilà, de Pie XII. Mais il y a beaucoup de papes. Et puis, je veux dire que c'est quand même une grande joie de savoir que celui que nous appelons communément, dans notre jargon, le Saint-Père, demain soit saint. Mm. Donc, c'est pour dire qu'on ne s'est pas trompé. Mm. Voilà. Et que, bon, ça réconforte que celui qui était à la tête, quand même, il a donné un exemple qu'il faut suivre. Mm. Donc, c'est toute une joie, surtout quand on voit deux papes en même temps canonisés. C'est toute une joie. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, quelquefois, quand un pape élu choisit un nom, et le nom est un programme de vie. Jean 23 a choisi le nom de Jean. Bref, bon, je ne vais pas trop revenir dessus. Ouais, le pape actuel, François. Le pape François. Mais Jean-Paul II, par exemple, il a choisi le nom de Jean-Paul parce que il y avait d'abord Jean 23, oui. Parce qu'il voulait continuer l'œuvre de Jean 23. Et de deux, il y avait Paul VI après Jean 23 qui a pris sa place. Et il voulait continuer l'œuvre de Paul VI. Mm. Et après Paul VI, il y a eu Jean-Paul Ier qui n'a fait que 33 jours. Mm. Voilà, son pontificat n'a duré que 33 jours. Donc, il voulait continuer ces œuvres-là. Et ce qu'il faut retenir en Jean 23 et Paul VI, que Jean-Paul II va réunir en lui, d'abord, c'est la proximité avec le peuple, vouloir réconcilier les hommes, donc homme de paix, pour parler de Jean 23, homme de paix. Et puis, pour Paul VI, c'est l'ouverture. L'ouverture, Paul VI était pratiquement le premier, par exemple, le premier pape à venir en Afrique. Mm. Voilà. Et avant, on disait, qui veut voir le pape se rend à Rome. C'est clair. Aujourd'hui, Rome vient à nous à travers le pape. Voilà, à travers le pape. Et Jean-Paul II, en son temps, a visité près de 129 pays. Et la Côte d'Ivoire a eu cette grâce. François. Il a parcouru, je veux dire, les cinq continents. Mmh. Voilà. Il a fait beaucoup de voyages dans le monde. Alors, quand on voit tout cela, c'est quelqu'un qui allait vers le peuple et quelqu'un qui était dans le peuple. Et ce sont des images pour dire qu'aujourd'hui, quand, par exemple, le pape François dit qu'il faut aller aux périphéries, c'est-à-dire qu'il faut aller là où le pauvre se trouve. Mais il a initié, c'est pourquoi dans le pape François, plus ou moins, on voit tous ces papes qui sont passés. C'est un peu de chacun. Voilà. Alors, donc, un homme, quand on voit aussi son œuvre, quand on voit l'œuvre de Jean-Paul II, moi, ce qui me marque, souvent, quand il arrive dans un pays, quand il descend de l'avion, au bas de l'échelle, il embrasse la terre. Et ça veut dire quoi? Parce qu'évidemment, ça marque un peu. Ça marque parce que d'abord, le fait d'embrasser, c'est de bénir la terre, donc il bénit tout le peuple, mais aussi par respect pour ce peuple qui est là. Mm. Voilà, par respect pour ce peuple qui est là. Et pour dire que nous sommes terre, voilà, nous retournons poussière. À la terre, nous sommes poussière, nous retournons à la poussière. Donc, ça veut dire que c'est tout un symbolisme qu'il met dedans pour marquer aussi son humilité. Et puis bon, un élément pour le jubilé de 2000, par exemple, pour le jubilé de 2000, il a demandé pardon, c'est-à-dire que de la part de l'Église, pour l'Église, il a demandé pardon à l'humanité, surtout pour la traite négrière. Voilà, il a demandé pardon à l'Afrique. Donc ça, ce sont des actes qui portent... Des actes forts qu'il a posés. Voilà, ce sont des actes forts qu'il a posés. Il a institué aujourd'hui, c'est-à-dire que ce n'est pas pour rien qu'on a choisi sa canonisation pour demain, parce que demain,
dans l'église, c'est la fête de la Divine Miséricorde, que lui-même il a instituée en 2000. Mmh. Et il a fait la promotion de cette Divine Miséricorde-là. Mmh. Il a été béatifié par Benoît XVI, un 1er mai 2011, qui était la fête de la Divine Miséricorde. Mmh. Et lui-même, il est mort le 2 avril 2005. Je veux dire, la veille de la Divine Miséricorde. Bon, nous, sur le plan liturgique, on était déjà dans la Divine Miséricorde. Donc, c'est tout un symbolisme autour de cette canonisation de Jean-Paul II, qui est une grande joie pour nous, voilà, et puis beaucoup de fidèles. Ça sera donc une très belle messe demain. Une très belle messe, mais il faut savoir que au cours de la célébration, il n'y a vraiment rien de particulier. Voilà, il n'y a vraiment rien de particulier. C'est une annonce. Mmh. Voilà, c'est une annonce qui est faite. Ah, simplement. Voilà, c'est-à-dire qu'au cours de la messe, après avoir lu l'évangile, le pape va faire l'annonce que Jean 23 et Jean-Paul II sont désormais saints. Mmh. En réalité, depuis qu'il a annoncé le 30 septembre de l'année dernière, il a annoncé qu'ils seront canonisés, du moins ils seront officiellement canonisés, mais ils sont déjà, c'est-à-dire qu'ils sont acceptés comme saints. Mmh. Mais officiellement, c'est à partir de demain. Ok. Voilà. Mais ils étaient déjà en fonction, on va dire, en degré. Voilà, ils étaient en fonction. Puisqu'il y a des miracles qui se passent, tout ça là, voilà. Mmh. On demande leur intercession. Alors, il faut demander leur intercession. Yes, d'accord. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, mon père, d'avoir éclairé nos lanternes sur ce qui va se passer. C'est un fait hautement important qui va se passer demain, la canonisation de Jean-Paul II et Jean 23. Papes qui sont donc relégués au rang de saints et qui sont intercédés, c'est cela le terme, hein? Qui intercèdent pour nous, et des miracles déjà sont attribués principalement à Jean-Paul II. Et avec plaisir, nous avons revu les images proposées par notre réalisatrice Christelle Lacoussa, les images de sa visite en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était pour la basilique à Yamoussoukro. Oui. Non, bon, il y avait des. Parce que c'est deux. Il y avait pour la basilique. Et pour la cathédrale. Il y avait pour la cathédrale. Voilà. La première image, c'était pour la cathédrale. Avec le cardinal Iago. Le cardinal, c'était pour la cathédrale. Parce qu'il est venu, il a consacré la cathédrale. Il a en même temps béni la pierre qui va servir pour la basilique. Et puis, voilà, quand il est venu, bon, il a consacré la basilique en 90. Il était donc très important de marquer, de faire un arrêt et puis de parler de cet événement-là. Alors, dans la suite de ce temps d'antenne, nous sommes toujours, Rosabine nous accompagne toujours, mais le sujet, vous le savez, tous les samedis, nous avons un sujet. Alors, hommes et femmes, quelles seront les limites de la beauté ? Aujourd'hui, nous assistons à ce que des personnes puissent faire... une augmentation du fessier, une augmentation de la poitrine, une augmentation des mollets, ça existe, une augmentation de quoi encore? On fait une opération des yeux, on tire les yeux pour avoir les yeux de biche et l'agneau ne dort pas, les yeux sont ouverts, comme les lampadaires. Anyway. Et du botox dans les lèvres, pour avoir les lèvres pulpeuses à la Angelina Jolie. Les hommes font les opérations de la tablette pour avoir la tablette de chocolat. Ça s'opère, voilà, on a vu des documentaires là-dessus dans certains pays où pour parader sur les plages, il faut avoir une belle tablette de chocolat, voilà, de très beaux carreaux. Donc on fait la liposition, on fait l'opération. Et puis patati patata, bref, on en parle avec notre parterre d'invités. Les amis du samedi sont là. Madame Kaku Joël, Madame Nyamke Kamara Nyonta est là. Eloi Sessou est là. On se retrouve juste après avec Tempo. Regardez. Right on, King Jesus, no man can hinder me. Right on, King Jesus, right on, no man can hinder me. Right on, King Jesus, no man can hinder me. Right on, King Jesus, right on, no man can hinder me. He died for you, he died for me. No man can hinder me. He died to set poor sinners free. No man can hinder me. Right on. Thank you.
marching through the snow in a one horse open sleigh. Oh, where the field we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirit bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Oh, don't cry the river side. I ain't gonna study one more. Oh, when the sun go marching in. Oh, when the sun go marching in. Lord, I want to be in the number. Oh, when the sun go marching in. Oh, when the ring, oh, when the ring, the election comes. Alors, de retour sur ce plateau, ils sont là, les amis du samedi. Évidemment, le père reste en notre compagnie. Parlons de cette vidéo d'Afrique Tempo. C'était dans les années 80, monsieur Sissou, puisque vous étiez membre de cette chorale. Et donc, il y avait Candice, la chanteuse Candice. On va pas dire où elle était, c'est pas la peine. Enfin, elle était dedans. Et c'est Éloi qui nous a donné l'info, hein. Candice était dedans, il y avait alors c'était... C'est même qu'un Pépé Audi, Vivien Oulahi qui est en France en ce moment. Qui est marié. Jean qui est voilà. Marié, hein, qui a 3 enfants. Mm-hmm. Ça vous fait chaud au cœur de vous revoir. Et comme il est mauvais, il ne nous a pas dit où il était. Alors donc, je vous présente les uns aux autres. Madame Joëlle Kakou, esthéticienne, vous la connaissez, non? Bah oui, je la connais. Monsieur Sessou, créateur de monde, vous connaissez? Vous connaissez? Oui. Elle aurait dit non. Madame Nyonta Kamara Nyamke, Madame Nyamke donc. Je la connais pas. Vous ne la connaissez pas? Non. Non, pas quand je vous connais. Qui est donc décoratrice. Évidemment, Madame Kakou, vous connaissez Madame Nyamke? D'accord, bon. C'est un jour qu'on se connaît, donc vous connaissez Madame Kakou, Madame Nyamke et la Belvis. Vous le connaissez? Vous ne le connaissez pas? Bon, dans tous les cas, tout le monde se connaît maintenant. Aujourd'hui, tout le monde se connaît. Alors, en tout cas, merci d'être là. Bien dormi tout le monde. Bon. Oui, moi je suis rentrée très tard hier parce que j'ai un défilé de mode. C'était bien? Super, hein, c'était super bien, les filles étaient belles, hein, les divas de la mode étaient toutes là. D'accord, et les modèles étaient beaux, n'est-ce pas? Bon, enfin, ça il faudrait, je ne peux pas. Et vous, Madame Kakou, ça va bien dormi? Super, ça va. Super, donc, ok. Madame Nyamke? Bon, pas vraiment. Pourquoi? Je suis un peu dans le décalage horaire encore. Jusqu'à quand on subit ça. Elle était en Alaska. Elle était en Alaska et on doit subir ça jusqu'au bout. Mon père, forcément. Mais ça va. Non, ça va bien. Oui, ça va. Mais ça va le décalage horaire, ça va? Non, je le gère. Je pense que d'ici là, ça va. Alors, messieurs, dames, beaux et belles, ils sont prêts à tout. Aujourd'hui, il y a vraiment la je veux dire, le culte du beau est arrivé à un point extrême. Pas aujourd'hui, parce que depuis des années, on assiste à des opérations donc chirurgicales pour avoir le visage, la forme voilà, qu'on désire. Et on a des liposuccions pour... Pourquoi vous riez, madame Nyamke? Non, j'écoute. J'en ai réfléchi en même temps.
Les liposuctions pour... déjà, ça existait. Il y avait un grand programme aux États-Unis qu'on appelait... on ne va pas dire le nom parce que ça fait de la publicité. Mm-hmm. Un grand programme où vous arriviez, par exemple, avec tant de kilos, vous ressortiez voilà, avec les kilos en moins, belle, pimpante. Et ça attirait du monde, en fait. On a donc aujourd'hui l'augmentation du mollet, l'augmentation du fessier, l'augmentation mammaire à la silicone. On a les pommettes qu'on tire comme ça. On a les yeux de biche ou de chat ou de lynx, je ne sais pas. On a le front, enfin bref, on a tout. On a une panoplie d'opérations. Il y a des pays même qui passent maîtres dans cet art-là, qui sont passés maîtres dans cet art-là. Pourquoi cet art ? Oui, c'est un art. C'est un art. Voilà, Rome, je veux dire, le beau, c'est déjà un art. Je n'ai pas compris quelque chose. Ok, d'accord. Oh, vraiment. Ah, c'est un art. C'est un art. Chirurgie, c'est vraiment des... Décalage horaire. C'est toujours le décalage horaire. L'Alaska, la neige. Je comprends plus français. Les ours polaires. Alors, donc, c'est un peu ça. J'aimerais avoir votre avis. Comment est-ce que vous jugez ce phénomène? Comment, mon père, vous qui êtes... homme d'église, comment est-ce que vous comprenez le fait que des hommes aujourd'hui luttent, enfin entre griffes, hein, au même titre que chacun dans la maison, tout le monde lutte la pauvreté. Donc comment est-ce que vous jugez le fait qu'aujourd'hui, même les hommes, hein, le sexe masculin, aujourd'hui c'est mis à la tâche. Il y en a qui veulent que leurs mollets soient bien, enfin je ne sais pas, soient bien dessinés là. Et puis... tablette de chocolat, on s'opère, mais on fait des opérations pour avoir la tablette, pour parader en ville et tout. Comment est-ce que vous jugez, vous qui êtes homme d'église, tout ceci? À mon humble niveau, je pourrais dire simplement que c'est l'excès peut-être qu'on peut décrire. Sinon, en soi, je vais dire pour quelqu'un qui veut avoir des tablettes, naturellement, on lui dira, bon, on fait l'effort, fais du sport, fais des abdos, et puis ainsi de suite, peut-être que si peut-être à un moment donné tu les as perdus, bon, c'est pour pouvoir les reconquérir. Donc, et puis aussi, si c'est la chirurgie, la médecine permet parce que, bon, je veux dire, pour quelqu'un qui a fait un accident, qui a été défiguré, oui, tout à fait. Donc, ça dit que normalement. Il y a des cas où on peut comprendre. Où on peut comprendre. Il y a peut-être des gens qui ont des problèmes de peau. Mmh. Voilà, donc on peut peut-être les aider à pouvoir restaurer la peau. Mais quand vraiment ça devient une obsession. Parce qu'on veut ressembler à telle personne, on veut avoir... Tu veux avoir les lèvres d'Angelina Jolie, voilà. Donc je me dis fondamentalement, c'est une fuite de son identité. Voilà. Fondamentalement, c'est une fuite de son identité. Il n'y a pas ici en Côte d'Ivoire, sans citer, mais il y avait une artiste qu'on disait, mais pourquoi toi tu ne fais pas de sujet esthétique? Et puis il disait, mais si j'ai fait ça, on ne va plus me reconnaître. Parce que ce ne sera plus la même personne. Voilà, ça ne sera plus la même personne. Et souvent, quand les gens le font, on se dit, bon, qu'est-ce qu'ils recherchent véritablement? C'est juste la beauté. Si c'est pour entretenir le corps, parce que pour nous, le corps a une valeur. Tout à fait. Voilà. Et puis, c'est par le corps qu'on rentre en contact avec l'extérieur. Ah, c'est clair, le moi n'est pas nous. Voilà. Donc, bon, ça, il n'y a pas de souci. Mais quand ça devient une obsession, il y a un problème. Voilà. Et puis, on se dit que ce corps qui est là, où, bon... tel qu'on te connaît, si peut-être 2 ans après, je ne peux pas le reconnaître parce que bon, ce n'est plus la même personne, la personne a changé d'identité. Et puis bon, quand on prend peut-être pour nos pièces, pour nos identités, quand je prends les... si tu as changé 2 ans après, bon, tu peux passer, tu peux passer, ce n'est plus la même personne. Voilà, et tu es obligé de changer de... Voilà. Donc je veux dire, fondamentalement, ce sont les choses qui posent problème. Et pour la foi, ça pose un problème. Pour la foi, ça pose un problème. En ce sens que, dans ton attitude, tu veux montrer à Dieu qu'il s'est trompé. Et donc, toi, tu veux corriger. Voilà. C'est ce que ça veut dire, en fait. Oui. Ça veut dire que moi, je suis noir. Et puis, bon, comme mon père ou mon frère ou j'ai un ami qui est clair, je fais tout pour devenir clair comme l'autre. Ça veut dire que Dieu aurait dû me faire clair. Et comme lui n'a pas pu avoir le temps de le faire, moi je vais le faire. Donc ça dit que c'est une manière, c'est une négation de Dieu en fait. Donc ce qui fait que ce que tu es, essaie de l'être, mais proprement. Voilà, de se présenter aux autres, c'est tout. D'accord. Pardon, j'en sors dans la gorge. Madame Yemke,
aujourd'hui, ce phénomène où on transforme tout, principalement, vous êtes une femme. Certaines femmes prennent des comprimés pour avoir un fessier assez important. C'est cela, hein? Que pensez-vous de cela? Je crois que je vais partir un peu... Sur la base de ce que mon père a dit. Oui, parce que je me dis quand même que c'est quand même aberrant. Hein? Avec aberrant des cuisses aussi, que hein, des cuisses. Aujourd'hui... Mais c'est vrai, c'est... Aujourd'hui, je suis choquée. Il y a aussi des... On grossit les cuisses, c'est ça? Mais tout, aujourd'hui... Avec des... Je suis choquée. Enfin, quand on dit pistolet, déjà, je ne sais pas comment expliquer. On comprend. Quand tu dis pistolet, on voit un peu de quoi il s'agit. C'est-à-dire que... Les hanches, pas au niveau des hanches. Non, pas au niveau des hanches. C'est-à-dire la belle femme africaine, bien dessinée. Les cuisses, c'est au niveau des cuisses. Mais ce n'est pas toutes les cuisses. C'est pas non, les cuisses, c'est au niveau, c'est-à-dire le bassin. Du bassin. Du bassin. Bon, voilà. Christelle Akoussa, merci. On peut remontrer l'image que nous avions. La première image de la dame, voilà. On va voir là, les pistolets sont bien. Voilà ce qu'on a. Qui a envoyé cette terme? Franchement. Pistolero. Au niveau de la ce qu'on appelle la culotte de cheval. Merci Rose, merci. La culotte de cheval. Mais pourquoi encore ils vont l'appeler comme Non, Christelle, pas cette image. Voilà, merci. Voilà. Merci. Donc, voilà. Alors, c'était une image que j'ai piquée sur Face, sur la toile. Hein. Donc aujourd'hui, on assiste à cela. Il y a des femmes qui sont prêtes à tout pour avoir donc cette forme-là. On prend des comprimés, il paraîtrait même qu'on s'injecte des choses et tout. Alors, Comme je disais, mais ça se vend à tous les points de rue. Aujourd'hui, quand tu arrives à Adjamé, par exemple, on t'aborde du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire, même si c'est sur 10 km, ce que tu vas faire pour pouvoir faire tes achats, tous les jeunes là-bas. T'abordes, on te dit quoi? Si tu veux grossir, c'est-à-dire, ils te regardent. Moi, par exemple, quand tu me vois. Je vends des enfin comment ils appellent ça, pour maigrir ou bien grossir les lèvres, grossir les fesses, diminuer les fesses, grossir les seins, c'est-à-dire ça se vend à la criée, ça se vend n'importe comment. Et selon le client justement. Quand il te voit, il te détermine ton besoin. Voilà, c'est-à-dire il fait le diagnostic en même temps. Il te dit, bon, elle a besoin de maigrir. Voilà. Donc, du coup, je lui vends ça. Elle a besoin de grossir les lèvres ou alors elle a besoin d'avoir les yeux de biche. Je lui dis, ça se vend n'importe comment. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bien évidemment, on va se retrouver avec des... voilà donc ce qu'on met dans les seins. Hein. Silicone, là. Silicone, c'est cela, voilà. Donc, ça, c'était avant, après. Ah, avant, après. Ouais. Attends. Qui est avant, qui est après? Franchement. Bon, la voici maintenant. Bon, voici bon pour les hommes, c'est la tablette. Les hommes voilà la tablette. Donc, on a dessiné. Les pectoraux. Ah, ils ont gonflé. C'est un homme ou une femme? C'est un homme. Ça, c'est un homme. Je demande. C'est un homme. Non, mais là, il a carrément des seins, là. C'est il est devenu très belle. Non, il s'est pris les pectoraux. C'est des seins. C'est des seins d'une petite fille de 15 ans, 14 ans. Non, mais ça, c'est une jeune fille qui est mais plus belle. Mais attends. C'est une jeune fille. Il peut allaiter le monsieur. Ou bien il est travesti. Bon, peut-être non, il n'est pas travesti. C'est ce qu'il veut maintenant. C'est ce qu'il a la mode. C'est ce qu'on explique. Attends. Il développe ses pectoraux. Après, il fait de la musculation. Je fais une forme. Bon, regardez la dame. Là, beau à la plage. Par exemple, là, je pense que c'est du Botox, hein, Joël. Oui. Du Botox. Oui, là, ils ont injecté du Botox. C'est pour... Mais est-ce que le Botox, c'était mauvais? Non, c'est pas mauvais en tant que tel, mais elle, je veux dire, moi, pour cette image. Mais ce qui n'est pas mauvais aussi, c'est d'aller à la pub maintenant et on y va. Attends. Non. Attends, Christelle. C'est que l'heure ne va pas. Chez Léaca, on est tous d'accord pour utiliser Civoderm. Car son efficacité n'est plus à prouver. Nos problèmes sont certes différents. Mais pour chacun de nous, Civoderm apporte une réponse adaptée pour le bien-être de notre peau. Civoderm. Civoderm, parce que ma peau mérite le meilleur.
Chaque jour, je me fais plein de nouveaux amis. Mon monde s'agrandit. Chaque jour, un nouvel affairage. Du nord au sud, partout, au fait de tout, sans bouger de chez moi. Envoie vite ville au 98-102 et connecte-toi à des milliers d'autres jeunes dans tout le pays. Ville, V-I-2-L-E, ça ne ment pas. Ville au 98-102, 150 francs SMS. Ils ont fait confiance au jeu RTI Big Deal. Recevons nos gagnants. Participez au jeu sur RTI. On a tous gagné des micro-ondes. Vous voyez, on a eu 100 000 francs aujourd'hui. Nous avons tous gagné des cuisinières. J'ai gagné la somme de 250 000 francs. J'ai gagné 6 mois de salaire grâce au jeu Big Deal. Soit 500 000 par mois. Le jeu Cash à Gogo, c'est pour bientôt. Et il y a la somme de 3 millions à gagner. Fini pour le jeu Big Deal. Bientôt le jeu Cash à Gogo où il y a encore 3 millions de francs à gagner. Les 3 millions de francs CFA peuvent être à toi. N'attends plus. Envoie maintenant Cash, C-A-S-H, au 98-070 et tente ta chance. Cash au 98-070, c'est 100 francs le SMS. Avec la RTI, on gagne vraiment. Toi, Seigneur, que je loue sur cette terre. Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si ce n'est toi, Jésus, que je loue sur cette terre. Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Car je suis né pour te louer. Je suis né, Jésus, je suis né. Papa, tu m'as créé. Tu m'as donné la vie pour te louer. Je suis né, Jésus, tu m'as donné la vie pour te louer. Oh, pour t'adorer, Seigneur, pour te louer. Matin, bonheur, merci beaucoup. Christelle Akoussa réalise cette émission, je suis Christelle Ménège. Nos invités sont toujours en notre compagnie, l'abbé Elvis Guigui, responsable de la pastorale de la santé et de la lutte contre le sida, le VIH-sida, madame Niamke, décoratrice, monsieur Sessou Eloi, créateur de mots, styliste, modéliste, et puis Joël Kakou, madame Joël Kakou, esthéticienne. Alors, parlons un peu donc de chiffres. L'hypocition est l'opération la plus répandue dans le monde. C'est-à-dire l'hypocition, enlever la graisse, le surpoids de graisse. Ensuite, il y a eu donc la rhinoplastie, il y a eu aussi l'augmentation mammaire, étape par étape, cela est arrivé et cela a pris vraiment de l'ampleur. Maintenant, le phénomène auquel on assiste, on va dire, ces 10 dernières années, c'est l'augmentation donc du fessier. Et puis voilà. Alors, donc, il y a certaines personnes peut-être qui l'ont mal fait, mais il y a eu
il y a eu des cas où ça a explosé. Enfin bon, c'était quoi des... Il y a eu rejet, en fait. Il y a rejet. Parce que le silicone n'était pas adapté, tout simplement. Et la peau, le corps n'a pas supporté. Le corps de Mme Nyonta et le mien ne supportent pas les mêmes choses. Et le silicone n'était pas de bonne qualité. Si on revient sur la... Christelle, Koussa, si on peut revenir sur les images, la dame qui avait donc cette... Ok, bon, c'est pas grave, on y va toujours. Alors, donc ça, c'est les silicones. Hein. C'est ce qu'on met dans la poitrine pour avoir une poitrine volumineuse. Et l'effet push-up pour avoir une très très belle poitrine. Elle regarde. L'effet push-up. Hein. Pour avoir une poitrine rebondie. Alors, c'est, donc, en fait, c'est, le silicone, qu'est-ce que c'est, Joël? Bon, en fait, le silicone, c'est une matière, on va dire, mélangée de graisse animale. Végétal, enfin c'est un mélange de tout, hein. C'est, je ne m'y connais pas trop, mais je sais que c'est du plastique, c'est un mélange assez chimique quand même, mais que la peau, que le corps humain est censé supporter. Je dis que si on m'implante ça, mon corps ne doit pas rejeter en fait. Mais à un moment il y a eu sur le marché le faux silicone, de la contrefaçon. Okay. Voilà. Je ne sais pas si le médecin était au fait ou non, mais la dame... Par exemple, elle va sur sa poitrine avant, et puis sa poitrine maintenant. Même ses lèvres. Voilà. Même ses lèvres ont été refaites. Ah oui, les lèvres aussi. Oui, voilà. Donc, mais ça, c'est les lèvres des Africaines. Mais en fait, c'est pour nous... Ce sont les lèvres des Africaines, en fait. Ouais. Les lèvres pulpeuses. Finalement. Non, c'est vrai, quoi. C'est plus joli. Là, on voit les pommettes. Les pommettes, ok, donc les pommettes sont refaites aussi. Voilà, les lèvres. Pour avoir, là, elle a carrément changé, là, c'est pas la même personne. Mais c'est Barbie, en fait, pour avoir le style Barbie. Tout simplement. Voilà, la poitrine, voilà, effet push-up. Le petit, voilà, pas de, on peut dire ça, pas de graisse, là, les hanches sont très fines. Voilà, on diminue donc la graisse au niveau des hanches. Les hanches. Le fessier est rebondi. Et la poitrine, comme vous avez dit, fuselées. L'effet push-up aussi, l'effet push-up qu'on voit. Voilà. Exactement. Les cuisses fuselées et de et pour les mollets. Messieurs, pour les hommes, Éloi. Mais tu sais pas qu'on parle des hommes, tu rigoles. Non, je sais pas. Je ne comprends pas. Donc, voici. J'attends mon tour de parole. Non, maintenant, le tour de parole est arrivé. Regarde, réagissons un peu. Voilà. Donc, on était. Ça, c'est la poitrine du monsieur before. Et l'autre, c'est avant, après, du moins. Voilà. Ouais. Donc, on a mis de la silicone dans sa poitrine. Ça la demande des femmes, c'est ce que les femmes aiment alors. Non, ça, c'est le monsieur qui veut ça. Ça oui, ça. Non, mais je veux dire, il le fait pourquoi? Pour qui? Après. D'accord, ok. Je dois répondre. Oui, répondez. Non, mais en même temps, après, là, il faut comprendre que quand on choisit de remodeler ou de modifier son corps, on le fait pour soi-même. On le fait en fait pour une certaine essence en fait dans la tête avant de plaire à autrui. Hein. Quand je prends par exemple l'exemple des femmes qui font des augmentations mammaires, je me dis que c'est déjà pour elles-mêmes en fait. Question de ce que se sentent bien dans leur tête et dans leur peau et après plaire aux hommes. Mais bon, il faut comprendre que ça peut être dans l'autre sens. Hein, d'abord plaire aux hommes et puis plaire à soi-même. Bon, tout dépend de l'endroit où on se trouve. Maintenant, moi je me dis. De toute façon, tant que ça ne touche pas à votre santé, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, une petite réparation ici et là. Voilà. Enfin, le terme réparation, Dieu se dit. Dieu se serait. Est-ce que c'est le terme exact qu'il faut dire? Pas fâcher Dieu ce matin. Dieu se serait-il trompé sur nous? Justement. Pas fâcher Dieu. Trouvez un autre terme. Quoi? Est-ce que le terme réparation est approprié? Mais si, une petite réparation ici et là, toucher ma petite beauté, j'ai envie d'avoir des pectoraux. Voilà, je vais. Voilà, c'est notre sœur qui sort d'opération. Mais madame Nyanke, arrêtez de rigoler. Je disais que c'est notre sœur qui sort d'opération. Elle a sûrement fait une petite... Chirurgie réparatrice, réparer son nez. Pour réparer son nez. Voilà. Peut-être un peu trop épaté. Voilà, l'affiner va... Dans la chirurgie esthétique... Bon, voilà, par exemple, avant, après, regarde. Avant. Oui. Voilà, et là, vous voyez que l'après... Qu'est-ce qui a changé, en fait? Elle a déjà, au niveau des joues. Ses mâchoires. Les mâchoires des joues. Ok, oui, tout à fait, c'est vrai. Voilà, ses sourcils, oui. Ses yeux et les pommettes. Les yeux ont été, je parle, légèrement agrandis. Légèrement agrandis. elle avait la peau, elle avait les paupières qui tombaient carrément sur les yeux. Elle voulait être chinoise.
Elle était oh. peut-être française, elle voulait être chinoise. Donc il y a. Ok, on va pas réagir. Je pense. Mais non. Éloi disait que c'est pas mauvais de faire des réparations ici-là. Oui, ici, mais je pense que c'est pas mauvais tant que ça n'est bon, abandonner la vie, hein, tant que ça n'agit pas négativement sur votre santé. Mm. Le père disait tout à l'heure que ce serait contredire le Créateur Dieu, mais en même temps je me dis que toutes ces, je sais pas, ces choses-là qu'on a dans notre esprit, ces capacités qu'on a, ah, c'est le père Créateur lui-même qui nous a inculqué. Maintenant c'est l'utilisation. Regardez cet homme. C'est l'utilisation. Bon, attendez, Monsieur Cessou, regardez. Notre ami. Ça, je pense que c'est une chose qui a été ratée, en fait. Il y a des erreurs. Ah oui, il y a des erreurs. Il y a des erreurs, en fait, qui interviennent après. Ça a été raté. Il y a eu un problème, voilà. Enfin, bon, décrivons un peu le problème. Qu'est-ce qui s'est passé? La lèvre supérieure. La lèvre supérieure est toute cette trou. Elle a explosé. Le nez. Le nez. Il est un peu plus. Il était tout mignon avant. Vous savez quoi, Christelle? Et c'est lui qui est là-haut, là? C'est lui? Apparemment, il a aussi mis de la silicone. Je crois qu'en fait, le monsieur, à un moment donné, il en a fait trop, en fait. Sinon, le départ, c'était pas le mauvais. Départ, selon vous, il faut juste réparer deux, trois petites choses, mais après, il y en a qui vont très loin. Il y en a qui vont très loin, qui veulent toujours un peu plus, et après, oui. L'excès finit par nuire. D'accord. Madame Kakou. Parce qu'il va vouloir toujours. Parce que regarde. Après, Madame Kakou va intervenir. Les mollets. Oui, Madame Kakou, allez-y. Mais les mollets, je veux dire, je ne vois pas de différence. Je ne vois pas de différence, c'est pareil. Peut-être que c'est la couleur, je ne sais pas si c'est en blanc. Au niveau du genou, quand même, il faut voir que le genou a été affiné. Et voilà, ouais. Maîtrise tout. C'est-à-dire que, et là, c'est. Bon, ça, c'est le bras. Hein. Oui, là, c'est le bras pour enlever la graisse. Qui pend. Intervenez, allez-y. Voilà, je veux dire, comme le père l'a dit. Éloi vient de signifier tout à l'heure. Il faut réparer deux, trois choses. On peut. Mais je veux dire, ne pas aller à l'extrême. D'accord. Ce qui nous arrive en ce moment, c'est tout simplement le manque de confiance en soi. C'est la non-assurance, c'est la non-acceptation de nous, de notre vie, de sa personne. Et c'est le visage de l'autre que je veux ressentir. On vit avec des moitiés de plusieurs... C'est-à-dire, on vit spectateur de la vie de l'autre. On ne vit plus notre vie, on ne s'accepte plus. Et c'est tout ce qui nous... C'est ça? God. Non, ça c'est sérieux? Ça c'est avant ou après? Non, ça c'est après. Maintenant. Attends, non. Mais c'est attends. Tout. C'est tout. Non, ça c'est... Bon, il dit avant, après, c'est toujours. C'est toujours de maintenant. C'est-à-dire. C'est amputé des quatre membres après une chirurgie esthétique. Beyoncé l'a fait aussi, non? Mais attends, avant et où après? Le nez, regarde, le nez. C'est le nez africain, là. Elle a le nez qui est légèrement battu. Christelle, on va revenir sur les images. On a. Enfin, ma Beyoncé, quand même. Le père, c'est le nez qui était un peu... Non, alors, Madame Kakou, vous disiez qu'on peut réparer, mais pas à l'extrême. Je ne dis pas à l'extrême. Et l'extrême, pour vous, c'est quoi? C'est la chirurgie. Vraiment, pour moi, c'est la chirurgie. Qui transforme. Il dit qu'il transforme, on ne te reconnaît plus, tu deviens méconnaissable, tu deviens comme une poupée Barbie. Je veux dire... Mais est-ce qu'il n'y a pas un culte du beau? Est-ce que la Barbie, justement, n'est pas présentée comme étant le beau auquel il faut ressembler? Mais c'est pour ça que les filles se tuent à la tâche. Elles mettent leur santé à rude preuve. Elles vont carrément à la dérive, quoi. Excusez-moi, la Barbie n'a pas un fessier rebondi, si je me trompe. Non, mais justement, moi, c'est... C'est le style, je veux dire, pas de ventre, les bras fuselés, les jambes fuselées. Bon, elle a un petit rebondi quand même. Maintenant, les dames, elles veulent plus, hein. Parce qu'il y a une image qu'on a vue tout à l'heure. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas... Mais avouez que le nez est particulièrement réussi. Elle, c'est-à-dire elle a perdu ses quatre mots, mais il dit que non, bon, c'est pas grave, ton nez a réussi quand même. Après une chirurgie, voilà. Et il y a eu, justement des cas où des personnes ont perdu la vie. Hein. Oui, mais oui. Carrément. Mais parce qu'elles ne se sont pas adressées à des professionnels. Vous défendez ce genre de choses en tout cas? Non. En tout cas, je ne le condamne pas. Pourvu que ça ne rentre pas dans l'extrême et pourvu qu'on approche les personnes qui sont accréditées à pratiquer ce genre d'opération-là. Quand vous allez, par exemple, comme disait Madame Niamke, enfin,
On a mis un Kenyon taf. Tout à l'heure, quand vous allez dans les rues d'Adjamé, qui est un marché, c'est pas une clinique, c'est pas un centre hospitalier où des jeunes gens vous apportent avec des produits dont la provenance est douteuse, voilà. Et que vous les appliquez à un endroit de votre corps, il faut comprendre que ça peut avoir des effets négatifs. Mais quand vous approchez un professionnel en fait du domaine, un professionnel de la chirurgie esthétique, qui vous réparera un nez qui est légèrement mal placé, voilà, mon père rigole. Il va faire une petite liposuction parce que vous avez envie d'arborer une robe bustier pour le soir. Le jour de votre mariage. Mais, après, on n'a pas forcément besoin de se faire une chirurgie esthétique parce que moi. Non, mais il y a la chirurgie esthétique. Excusez-moi, il y a la chirurgie esthétique, mais là, ce que nous condamnons, là, c'est ce dont nous parlons, c'est l'extrême. Exactement. Voilà, justement, l'extrême. Il ne faut pas en arriver. Et c'est quoi l'extrême pour vous? Puisque il a dit tout à l'heure, on peut réparer deux, trois choses. Joël aussi l'a affirmé. L'extrême, c'est carrément la charcuterie. Quand tu vas te faire charcuter pour ressembler à un modèle. Le nez, la bouche, les pommettes. C'est quand tu vas te faire charcuter pour être ce que tu n'es pas. Quand vous dites charcuter, ça veut dire à la limite, péjorativement, ça veut dire que ça n'a pas réussi. Ça n'a pas réussi, mais quand ça a réussi, on ne te reconnaît plus, on ne sait même plus. Regardons notre reste image. Vraiment, elle est déséquilibrée. Elle est carrément déséquilibrée. Tu vas voir, ces genoux ne tiendront même pas le poids. Mais est-ce que ce n'est pas la demande souvent des hommes? Parce que pourquoi. Je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, tu ne t'acceptes vraiment. Si tu ne t'aimes pas, vraiment. Si tu ne t'aimes pas, je suis désolée. Ce n'est pas l'homme qui est en face qui va venir. Si tu ne t'acceptes pas, il t'a vu, tu t'es comme moi, et puis il veut que tu changes. Dans ce cas, il y a beaucoup de modèles qui l'aiment. Il y a des modèles qui veulent. Non, mais elle me dit, il t'a vu, tu t'es comme moi. Il t'a vu, tu t'es comme moi. Mais après, c'est quand tu l'as déjà trouvé. Donc, à la limite, il va changer, ça, c'est autre chose. Mais vous, Joël, ça ne vous gênerait pas. Mais lui-même, il n'a pas. Comment est-ce que vous trouvez cela? Mais c'est ça. Oui, quand tu ne l'as pas encore trouvé, est-ce qu'il t'a dit que c'est ce que tu vas devenir la dernière? Ah, parce que tu constates que tes consoeurs sont comme ça, c'est pour ça. Non, c'est quoi, tu regardes l'autre inutilement, tu regardes que tu es envieux. Mon père, excusez-moi. Non, c'est parce que ma consoeur est toute refaite, comme ça, moi aussi. Joël, alors, Éloi est un homme, donc il faut prendre en considération ce qu'il dit. Mais non, je suis désolée. Et comme je sais qu'il n'est pas hypocrite du tout, alors. Non, ça n'a rien à voir, l'hypocrisie. Non, il ça n'a rien à voir. Mais voilà. Non, ce n'est même plus ça sur le marché. Oui. Alors, s'il vous plaît, Madame Niamke, oui. J'ai la parole, je la garde. Mon père est intervenu. Ils sont bel et bien mariés. Mais franchement, mon père est intervenu. Je vous en prie, maintenant. Ce que je voulais dire, mais c'est quand même intéressant. Parce que, ça dit chacun, il faut savoir, comme on dit en matière de goût. Chacun a ses goûts. Chacun ses goûts. Les goûts et les couleurs aussi. Voilà. Et là, on est un peu dans ce sens-là. Si je pense que, mes oreilles ne sont pas comme ça doit être. C'est trop décollé. Il faut que je fasse telle autre chose. Je pense que Mme Kakou l'a dit si bien. Le véritable problème, c'est que les gens ne s'aiment pas. Voilà. C'est-à-dire que c'est là le décollage, le vrai décollage. C'est-à-dire que des oreilles ou quoi? Enfin, non, tout pas. C'est-à-dire que de son identité, il n'accepte pas son identité. Il y a quelque chose qu'il se reproche dans son être et qu'il veut. Ouais. Alors mon père, une question. Quelqu'un qui a les oreilles très très présentes, très décollées, qu'on aperçoit. Pour vous, est-ce que cela vous choquerait si cette personne-là irait pour les réajuster, pour utiliser le terme des lois? Les oreilles d'éléphant, là, ça pèse. Je veux dire, c'est-à-dire, si c'est une personne que j'ai connue ainsi, et puis plus tard, je la trouve, peut-être, je ne peux pas la reconnaître, ça, c'est une chose. Bon, moi, je donne juste un exemple. On avait un de nos formateurs, un professeur, on trouvait qu'il avait une grosse tête. Oh. Excusez-moi, mais on trouvait qu'il avait une grosse tête. Et lui, il a évolué ainsi. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il arrive là où il est aujourd'hui. Donc, un jour comme ça, on discutait, puis il y a un qui disait, mon père, vous avez dit que vous avez mal à la tête. Il dit, si c'est où vous voulez en venir. C'est-à-dire que comme j'ai une grosse tête, si j'ai mal, c'est que le mal sera plus grave. Mais si j'ai une grosse tête, c'est pour que je puisse emmagasiner suffisamment des papiers, pour vous et pour vous donner. Donc ça veut dire que il faut à un moment donné savoir sublimer sur ce qu'on a. Relativiser. Je me dis que quelqu'un, excusez-moi, peut-être que c'est jasier, quelqu'un qui a des oreilles décollées, mais il va attendre tout.
Elles auraient l'éléphant. Mais mon père, elles auraient l'éléphant. Avant, c'est un acteur de cinéma. Voilà, c'est... Voilà, non, je me dis que... Après chirurgie esthétique. Hein. Voilà, je me dis que... Mon père intervient, je vous en prie. Dans tout ce qui se passe, dans tout ce qui se passe, moi, je voulais simplement dire à ceux qui le font, bon, si aujourd'hui, tu le fais pour un homme, un exemple, ou bien pour une femme, il faut savoir que cet homme ou cette femme que tu as rencontré à un moment donné de ta vie, à un moment donné de ta vie, ne peut ne plus être là. Et c'est une autre personne qui va te demander autre chose. Est-ce que chaque fois tu vas changer? Oui. Donc, ça veut dire que même pour aller au changement, il faut avoir une certaine constance en soi-même. Il faut avoir, ça veut dire qu'il faut avoir une certaine stabilité. Ça te permet de savoir où tu veux aller. Et puis, je me dis, est-ce que véritablement, c'est la beauté physique, c'est vrai. Mais il y a la beauté du cœur. Il y a la beauté intérieure. Que seul Dieu voit. Pas que seul Dieu voit. Mais quand on vit ensemble. Voilà, évidemment, là, ça ressort. Voilà. Mais pour celui qui vous croise, Zora, donc, qui vous croise dans la rue, parce que, est-ce que cet aspect de beauté intérieure intéresse véritablement ces personnes-là? Je me dis qu'il faudrait que. Il y a deux choses. Il y a la voix et il y a l'être. Yeah. Il faut plus œuvrer pour l'être que pour la voix. Mm-hmm. Parce que la voix peut un jour disparaître. Ça, c'est clair. Mais l'être demeure toujours. Et donc, il faut toujours faire l'effort pour pouvoir œuvrer pour l'être. C'est vrai que nous sommes dans un monde physique. Donc, avec le physique, il y a des choses qu'on peut peut-être faire. Voilà. Et là, mais il a changé son nez. Ouais. Mais je me dis qu'il ne faut pas exagérer. Je finis par là. Il y a une artiste qui, en son temps, bon, Janet Jackson, qui disait un jour comme ça, dans une interview, parlant de son frère, Michael Jackson, après 5 opérations, elle dit, c'est maintenant qu'il nous ressemble. Parce qu'avant, effectivement, quand on voyait dans les derniers moments... Jackson 5, là, oui, au départ. Voilà, dans les derniers moments de Michael Jackson, il ressemblait beaucoup plus à sa soeur. Or, avant, bon, dans les Jackson 5, il était loin de là. C'est vrai qu'on peut faire ce genre de choses, mais il ne faut pas vraiment exagérer. Parce que derrière, tout à l'heure, on parlait d'explosion. Il faut savoir que la forme que nous avons, elle est aussi congénitale. Et il y a une évolution de notre être. Et si tu introduis autre chose, est-ce qu'à la longue, cette chose que tu introduis en dans toi corps, peut fonctionner avec tout ton être? Parce qu'on a eu des cas, malheureusement, voilà, où la silicone, en tout cas au niveau de l'opération, voilà, qui, pour les seins, ça a explosé. Mais il y a un étouffement même. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de cas de cancer. Parce que tous ces produits qu'on va s'injecter. Alors, pour bon, vous, monsieur, c'est pour vous, pour qui ça ne passe, ça gêne pas trop, je hein. Défends, cause esthétique, mais j'ai voulu dans un univers du beau, hein, où le rêve, on vend le rêve. Donc, à la limite, vous prenez un mannequin, un jeune homme qui doit poser pour une campagne publicitaire de lingerie et qui a un cœur absolument parfait. Et au niveau des mollets, il y a un petit problème. Comme les mollets qu'on a vus tout à l'heure. Donc, alors le mec, il peut aller voir un chirurgien esthétique. Voici donc les mollets qu'on a vu tout à l'heure. Non. Non, je te... Alors, est-ce que ça, c'est une opération ratée ou franchement, c'est compliqué? Bon, ça, je pense que le mollet a été hyper siliconé, donc il faut réduire un peu quand même. Ah, d'accord. Ça, c'est pas un professionnel tout ce qu'il a fait. Normalement, la chirurgie esthétique, quand elle est pratiquée, devrait pouvoir se rapprocher de la réalité. Voilà. Normalement, elle va pouvoir se rapprocher de la réalité. Donc, je prenais en fait le cas de la personne qui doit poser pour une campagne publicitaire qui a un tout petit défaut là au niveau des jambes. Elle peut se permettre de voir un chirurgien et qu'on lui répare ça. C'est pour ça que je parle de chirurgie réparatrice en fait. Mais sans qu'on aille trop loin. Il ne faut pas aller trop loin. Voilà. Mais comme le disait mon père et comme le disait la dame juste à côté de moi, c'est vrai, à la base, il faut pouvoir s'accepter. Mais dans certains métiers qu'on exerce, on a besoin de faire des petites retouches. Voilà, pour... comme une couture. Des petites retouches pour aller de l'avant. C'est pas méchant, c'est mignon après, de toute façon. Quand ça réussit, en fait. Quand on voit un professionnel. D'accord, c'est bon, c'est la condition pour vous. Joël, vous êtes d'accord avec lui, hein, ou pas? Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre, comme l'a dit pour les petites retouches, je ne suis pas contre. Mais c'est l'extrême. Aujourd'hui, c'est l'extrême qu'on déplore tous. Hein. C'est l'extrême, c'est carrément être ce que tu n'es pas. Oui. Je ne suis pas contre les petites retouches, franchement. Mais il ne faut pas aller se faire charcuter, se faire carrément refaire. Tout. Toi, mais tu ne sais plus qui tu es. Si. Non, mais c'est vrai. Mais tu ne peux pas te reconnaître. Non, mais après, c'est une perte d'identité.
Et ils ne sont jamais satisfaits. Après, quand on lit après, ils sont jamais satisfaits. Justement, ah, mais si mon doigt est devenu comme ça, je vais le faire, me faire refaire le nez, je vais le refaire mes yeux, mes oreilles. J'ai un coup un peu... Parce que, voilà. Voilà, nous, les Africains, on a le cou un peu coupé là. Ici, ça... Mais en France, c'est signe de vieillesse. Oui. Ils disent quoi ? À la longue, ça va retomber. Donc, c'est un cou, franchement, un peu de girafe. Là, on enlève tout ça. Et le cou est carrément raide. Et... Franchement, je pense que faut pas aller jusque-là. D'accord. Et on s'arrêtera sur cette phrase-là avec, on part à cette vidéo de Rosabine encore, le temps qu'elle puisse, on puisse l'installer pour le dernier plateau. Dernier tour de table, et puis on se sépare pour ce samedi. Les étoiles brillent dans le ciel, tous les animaux des champs sont calmes, même au fond des ans, tout est silence, mon bien-aimé est là pour moi, mon Seigneur est là pour moi. Jésus-Christ est descendu pour moi. Tout en moi le loue, tout en moi le loue, tout en moi l'adore. Voilà, alors de retour sur ce plateau-là, Sabine est là, tout le monde est là. Rapidement, un mot. Commençons par vous, Monsieur Sessou. Un seul mot. Pas trois. Un seul mot, ben, je dirais que les chirurgies réparatrices, c'est vrai, c'est bien, mais à la base, il faut pouvoir s'accepter tel qu'on est, mais deux, trois petites retouches, ça ne fait pas de mal. Madame Kakou. Se mettre tout simplement en valeur, marcher avec assurance et avoir confiance en soi, tout simplement. Merci beaucoup, mon père. Le pape Jean-Paul II disait que la sainteté n'est pas un privilège, tout le monde peut devenir saint. Et la sainteté, c'est dans sa tête, dans son corps. Et c'est cela que Dieu regarde, parce que c'est ce que Dieu a fait, et il faut redonner à Dieu. Dieu regarde notre... Tout ce que nous sommes, voilà. Voilà. Madame Niamke. Ben, s'aimer tel qu'on est, la vie est belle. C'est tout. Hein. C'est tout. Franchement. En tout cas, merci de nous avoir suivis. C'était donc beau et belle, ils diront jusqu'où. L'extrême, en tout cas, a été dénoncé par nos invités. Tout doucement, Sabine. On se retrouve la semaine prochaine. Christelle Akoussa a réalisé ce temps d'antenne. Je suis Christelle Mellette. Portez-vous bien. Excellent week-end à vous. Au revoir. Dans le travail, il faut persévérer. Jamais baisser les bras, toujours travailler. Aller droit au but, ne pas écouter les ragots. Aller toujours plus haut, gagner son pain dans le travail. Je sais que beaucoup de choses se racontent, mais ça ne m'ébranle pas. Je bosse et je crois en moi. Je crois en mon créateur. Je sais qu'un jour j'y arriverai. Je ne baisse pas les bras, j'avance toujours. Persévère, il faut persévérer. Toujours travailler, ne jamais baisser les bras. Aller droit au but, ne pas écouter les...